Ah, ça rappelle les souvenirs, ça! Et bonjour à tous, c'est Dark Link, et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de faire. En découverte Ténage Mutant Tortue, les Tortues Ninja, la revanche de Shredder. Donc, c'est en quelque sorte la suite de la version Mega Drive et de la Super NES, hein, qui était sortie à l'époque dans les années 90. Donc, ce jeu vient de sortir le jeudi 16 juin 2022. Donc, ça a été fait par le même créateur que ceux qui ont fait Street of Rage 4, et franchement, ils ont vraiment du talent. Et c'est vraiment super ce qu'ils font, parce que. Parce que je pense que c'est un fan, en quelque sorte, des jeux de l'époque, hein, des années 90, qui font des jeux comme ça, qui sont hyper réussis. Et là, c'est. Il a été fait en pixel art, apparemment. Mais c'est. J'ai vu des extraits déjà, des trailers et tout, ça a l'air franchement pas mal. Donc, Dotemu, hein, qui a fait Street of Rage 4. Ah, au même titre que le jeu Sonic Mania, d'ailleurs, qui a été. Fait par Christopher, enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un fan. Bon, s'il pouvait arrêter de parler en même temps, ce serait pas mal. Bon. Donc voilà, les jeux comme ça faits par des fans, au même titre que Sonic Mania, comme j'ai essayé de l'expliquer, hein, qui est un très bon jeu Sonic aussi depuis longtemps, hein, qui est très apprécié par les joueurs. Et ben, ce Tortue Ninja. Voilà, on a à peu près les mêmes modes que dans Street of Rage 4, hein, le mode histoire. Voilà, pour faire les stages les uns après les autres et tout. Le mode arcade, pour jouer à l'ancienne, avec le choix de difficulté et tout. Une fois qu'on a perdu toutes nos vies, on recommence tout. Alors que l'histoire, évidemment, il y a une sauvegarde automatique. Là, bon, ça nous explique comment jouer. Et la nouveauté, c'est les succès. À la manière de Steam, des jeux Steam un petit peu, on aura des succès à débloquer. Voilà, tous les objectifs à remplir, hein, pour avoir différents succès. Alors je sais pas si le fait d'avoir des succès, ça nous débloque des choses en plus, hein, des nouveaux personnages, des nouveaux stages. Je sais pas du tout. Ou si c'est juste pour notre fierté, quoi. Pour être gratifié, quoi, quelque sorte. Donc les options, donc français, volume général, voilà, vibration, on laisse, hein, tout ça me va. Allez, on laisse tout ça par défaut et on commence sans plus tarder le mode histoire. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, nouvelle partie. Ah d'accord, c'est ça le. Ah, pas mal les choix de difficulté. Tranquille, tranquille. Bon, on va choisir le mode moyen, le mode normal. Ok. Allez. Bon, je vais me débrouiller un petit peu pour les boutons. Ah bah oui, d'accord, il m'explique. Parce que ça y est déjà dans comment jouer. C'est exactement ça qu'il nous montre quand on va dans le menu comment jouer. Mais là, il nous le montre directement. Ah non, il faut vraiment que tu saches jouer avant de commencer, c'est très 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 important. Ne sois pas flemmard, Dark Link, fais pas ta grosse feignasse. Oui, je sais, je suis le spécialiste des feignasses. Ça nous montre différentes attaques, mais bon, c'est trop long. Allez, on va commencer, je vais me débrouiller. On verra, moi. On verra. Au feeling.
Ah d'accord, faut rester appuyé sur la croix pour... Et donc là... On peut jouer à plusieurs jusqu'à 6 joueurs, c'est ça? Et on peut jouer en ligne aussi comme dans Street of Rage 4. Donc comme dans la version Mega Drive et Super Nintendo, on a le choix entre les différentes tortues. Et la nouveauté, c'est qu'on a deux nouveaux personnages. Voilà. Et bon, moi mon préféré, c'est le violet, parce que j'aime beaucoup le bâton, ça me fait penser un peu au bâton de Son Goku dans Dragon Ball. Et j'aime bien attaquer avec le bâton. Donc pour commencer, je vais prendre mon personnage préféré. Allez, c'est parti. Ah, faut confirmer, il faut appuyer une deuxième fois. Hey, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il vous a faut? Bonjour New York et bienvenue dans les opinions de Vernon où tout est toujours. Claire, aujourd'hui il y a cadeau pour moi pour me remercier. Oh, que se passe-t-il? Où est le reçu du cadeau? Encore? Salut New York, nous interrompons ce programme pour vous apporter le chaos. Pour changer, évidemment. Ah, la statue de la liberté va être relookée et sera plus belle que jamais. Regardez, Bebop. Bi. Ah d'accord, j'ai pas eu le temps de lire. Non, d'une carcasse! D'une carapace! On doit y aller! On va les en empêcher. Épisode 1, nouvelle époustouflante studio de Channel 6. Ah ouais, on commence direct avec. Alors, j'ai cru qu'on allait affronter Shredder. Donc voilà, Ah, on peut faire un double saut. Bon, faut appuyer assez rapidement pour faire le double saut. On attaque comme ça. Ok. Donc le bouton A c'est pour l'esquive. Le bouton B c'est pour le double saut. Y c'est pour attaquer. Allez. Ah ouais, c'est vraiment comme la version. La version Mega Drive. Sachant que j'ai connu seulement la Mega Drive à l'époque. La version Mega Drive qui est pas mal du tout. J'ai découvert par la suite les versions de Super Nintendo. Où ils ont sorti plusieurs des. De ce style-là, j'ai découvert sur Amstation. Ah, c'est franchement pas mal. Ah, j'appuie sur le bouton pour essayer de. Voilà, un peu. On reconnaît quelques attaques de la version Super NES et Mega Drive. Ah, il a kidnappé! Oh là là. Donc on a ma barre de vie qui est en vert en haut à gauche. Je suis déjà dans le rouge. Ah, il a l'air aussi difficile que Street of Rage 4. Alors je suppose qu'on récupère de la vie en mangeant par la pizza. Ah mais il était en train de faire un jeu lui. Désolé de t'interrompre. J'aimerais bien prendre de l'eau, quelque chose, parce que ces combats me fatiguent. Soif. Ah, ils essaient de pirater. Ah oui, lui, carrément. Waouh! Mais ça fait mal! Abruti! Ah oui, il dit la même chose que dans la version Mega Drive. Quand il meurt. Boum! Voilà. Ah oui, en fait, il faut les frapper pour leur faire lâcher prise. Très bien. Je sais qu'on peut aussi les prendre et les balancer vers l'écran. Vers nous, quoi. Attends, mais... Ah, je peux pas retourner, il y a eu quelqu'un qui frappait à la porte. Zut. Bon, je suppose que c'était un petit truc annexe. Tant pis.
Ah, c'est marrant, ça. Il m'attaque avec des cuillères. Cuillères en bois. Ah, ça tombe bien, j'ai faim. Allez, prépare-moi la pizza, toi. Grosse feignasse. Au lieu de jouer avec la cuillère, là. Ah bah lui, il était en train de me préparer un truc. Bon bah, tant pis. C'est bien, c'est dynamique et tout. Ah, on peut même interagir avec le décor, on peut... Ah d'accord, ah oui. Bah comme dans Street of Rage, hein, faut fouiller partout, peut-être qu'il y aura un morceau de pizza, de quoi me régénérer. J'ai 2 vies, apparemment. 58, c'est le nombre de combos. C'est quoi? C'est passé à 59. Ah, c'est le nombre d'ennemis que j'ai éliminé. Hein, c'était déjà le... C'était déjà présent, ce principe, dans la version Mega Drive. Ah bah voilà, une part de pizza. Nickel. Ah, c'est marrant. Boum. Ah, ils ont vraiment du talent, les développeurs, les fans. C'est super ce qu'ils font. Entre Sonic Mania, Street of Rage 4 et maintenant ça, c'est vraiment génial. Ah oui, zut, j'aurais dû... Attends, comment on l'attrape en se collant juste sur lui? Attends, j'essaie de l'attraper juste. Ah zut, j'ai pas le temps. Ah voilà, ça y est, j'ai balancé vers l'écran, lui aussi. Et toi. Voilà. J'essaie de le balancer vers le canapé, mais... Ah bah j'appuie sur le bouton pour essayer de me relever quand je suis projeté au sol, histoire de limiter les dégâts, mais... Je ne peux pas, ça marche pas. Wow, mais j'ai déchiré la moitié de l'écran. Ouais, c'est inquiétant. Inquiétant, inquiétant. On joue pas avec les caméras. J'aime pas être filmé, désolé. J'aime pas être filmé, je suis pas photogénique. Alors on se calme. 4 soldats vaincus en utilisant piège. Ah mais c'est un succès. J'ai déverrouillé un succès. Par contre je vais bientôt mourir là. Ah il est vraiment pas simple le jeu. J'ai perdu 2 vies. Pourtant c'est le tout premier stage. Ah perso je trouve mieux que un certain Styrix pas filé tous. Là direct. Bon c'est sympa aussi mais bon trop long, trop répétitif les Astérix. Ah bah voilà, ça c'est con, il me donne de la pizza au moment où je suis full vie. C'est trop tard. Faut un petit peu les boules, mais bon. Allez, venez par ici, vous allez passer à la casserole, moi je vous le dis. On va pas péter ça, on peut péter... On peut prendre les... Bon. Ah, c'est le boss. Très bien, j'ai la pizza à côté. Parfait. Par contre, les musiques, pour l'instant, j'accroche moyennement, mais bon, ça va, c'est pas mal. Ah, faut que je surveille ma barre de vie, là. Ah, mais j'aimerais bien me relever direct quand je suis en train de tomber. Ah zut, il est assommé. Vite, je suis dans le rouge. Vite, faut que je remonte. Très bien. Il y a la barre de vie du boss qui descend tout en bas. En bas de l'écran. Et moi aussi j'ai foncé. Ah oui, j'ai utilisé l'attaque spéciale là. Apparemment j'ai débloqué un succès quand j'ai utilisé l'attaque spéciale. Alors
Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé pour la première fois une attaque spéciale? Ou si c'est parce que j'ai foutu le coup de grâce au boss avec cette attaque spéciale? Voilà le deuxième méchant. Exploit débloqué. Ah d'accord. Ah pas mal. Alors. Ah oui, on a le nombre de défis, 2 sur 3. Objet trouvé, 1 sur 2. Et le temps que j'ai passé, 8 minutes. Ah c'est pas mal. Alors, jeu en équipe maintenant. Trouver joueur. Tanière des tortues. Panoramique. Alors voyons voir la vue panoramique. Ah ouais, c'est assez grand. La statue, les manèges. Ok. Bon, allez, on continue. Épisode 2, la grosse pomme, 15h. Et a marché pendant 15h. Non? C'est pas ça? Ah, cette musique est un peu plus sympathique là. Qu'est-ce que vous foutez là? Croyez m'avoir, hein? Ah, mais comment je fais pour... Ah d'accord, c'est quand le... J'ai compris. J'utilise le combo en appuyant sur X de mon Joy-Con. Le Joy-Con droit. Et c'est quand la barre bleue où il y a marqué 0 en haut à gauche, juste au-dessus de ma barre de vie. Quand la barre bleue est remplie, je peux utiliser mes attaques spéciales. Ok. J'ai tellement l'habitude quand je me prends une baigne et que je suis projeté au sol de me lever direct dans le jeu Street of Rage. Et j'avais vu dans l'entraînement, parce que j'ai regardé avant de lancer la vidéo, j'ai regardé vite fait l'entraînement, vraiment vite fait. J'ai vu qu'on pouvait se relever direct. Et apparemment c'est pas le même bouton. Ah ouais, ça aussi ça y était déjà, la version Mega Drive. Mais... La pizza, t'es invincible comme ça, il t'attaque. Ah, c'est excellent de retrouver tout ça, c'est énorme. Ah, ils étaient vraiment top, hein. Déjà à l'époque sur Mega Drive. C'était innovant, il y avait plein de bonnes idées et tout. Hein. J'ai trouvé gros titre. Ah! Ah, d'accord, faut trouver des objets comme ça. Ah, ce jeu me plaît vraiment, c'est excellent. On peut interagir? Ah non. Ouais, de toute façon, ça se fait pas, hein, détruire la bagnole comme ça d'une personne après. Le pauvre. Ah, par contre, détruire les portes. Ah, ouais. Pas mal comme innovation, on délivre des personnages comme ça. Ça par contre ça y était pas à l'époque. Alors ça, si je tape dessus. Ah voilà, comme dans Street of Rage. Aïe aïe aïe! Peut-être qu'il y a un moment précis pour se relever direct quand je tombe au sol. Un moment précis à appuyer, je sais pas. Ah oui, j'ai envie de le balancer vers l'écran. Hop là! On se régale. Il va me donner faim à force avec les pizzas.
Ok, il écrase ses collègues, normal. Bah peut-être qu'ils s'entendent pas entre eux, hein. Peut-être qu'il y en a un qui est correct et les autres sont cons, je sais pas. Vous avez pas envie de faire la même chose des fois avec les collègues à qui vous entendez pas? Ah je rigole bien sûr, ah, on rigole. Il y avait des trucs comme ça dans Street of Rage aussi avec les motos. Ah, j'arrive pas à la voir. Bah, mais pourtant j'étais bien. Ah oui, bien, il a levé sa roue au bon moment, lui. Bon, apparemment c'est des robots vu qu'ils explosent à chaque fois que je les élimine. Il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est tellement beau. Et hop là. Aïe. On peut pas rentrer. Bon, vu qu'il y a des trucs à faire, moi je fouille maintenant. Fouiller. Ah il y a des motards partout, les ennemis sont nombreux. Waouh, ah c'était beau ce que j'ai fait là. Je sais pas comment j'ai fait ça. Après oui, en appuyant plusieurs fois sur les boutons, peut-être il y a des sortes de combos à faire. Ah lâche-moi. Attendez. Même les... ça y était aussi la version Mega Drive. Attends, la clé. Prendre la clé. Comment on fait pour prendre la clé hein? Non, gaspillage. On peut pas ramasser la clé. Ah, ça c'est... Wow, par contre, est-ce que je perds de la vie quand je fais ça? Je suis en train de faire un peu le con. Bon, juste pour voir. Ah, j'en perds très peu. Puis c'est rigolo. Oh, ok, ça sert à rien. Je pensais faire péter les sacs poubelles en même temps, mais... C'est raté. Lâche-moi! À descendre. Wow, l'écran monte plus vite que moi. Ça fait peur là. Qu'est-ce qu'elle a cette pizza? Ah c'est ça par contre, c'est une nouveauté. Je suis complètement invincible, c'est ça? Ouais, par contre la caméra avance bizarrement plus vite que moi là, c'est un peu bizarre. Ah, bravo! Alors, si je fais péter ça... Ah, il n'y a rien de spécial. Ok. Ah, c'est très détaillé. Et là, les décors... Ah bah voilà le boss. Il se moque de moi hein. Je vais lui faire fermer son clapet. Là, la musique ressemble un petit peu aux musiques de boss qu'il y avait déjà sur Mega Drive. Donc, on peut pas péter la télé. Waouh. Je vais laisser le dernier ennemi jaune là, vivant. Ah. Parce que si je l'élimine, il y en a d'autres qui arrivent. Et la clé là, on peut pas le ramasser. Vraiment. On va lui balancer sur lui. Voilà, j'ai pas de morceau de pizza, ça craint. Aïe aïe aïe. Ah mais j'ai eu des vies en plus, j'en suis à 3 vies maintenant. Alors j'en avais perdu 2. J'ai plus qu'à une vie. Bon, je devrais pas rester là où il y a les bombes. Là,
totalement de ma faute, j'ai pas fait attention. Ah, il est presque fini. Il est fini, Nto. Niveau de puissance supérieure, barre de puissance ninja ajoutée. Ah, c'est une barre de résistance. Une barre d'endurance. Ok, ils s'enfuient, ils ont l'air contents alors que je les ai battus. Requête spéciale disponible. Hein, une requête spéciale. D'accord. On dirait que c'est marqué 3 là. Donc là, on a l'épisode 3. Mutant Abraudoué. Alors. Ah, défi 1 sur 3. J'ai trouvé 3 sur 3. 8 minutes 30. Ouais. Alors ça. Récupérer tous les journaux intimes secrets d'Irma. Ah bah tiens. Allez. J'ai perdu mes journaux intimes. Vous pouvez les récupérer s'il vous plaît. Ah c'est tout. Ouais. C'est d'accord. Je vais ramasser... un journal ici, peut-être que j'en ai oublié là, mais bon, je continue. On continue. Oh, ah, ils sont forts quand même pour passer à deux comme ça sur une petite petite ouverture. On avait des phases un peu semblables également sur Mega Drive. Bah, c'est sûr, je fais beaucoup de comparaisons, mais là ça fait plaisir quoi, c'est excellent. Je me rends compte à quel point sur Mega Drive déjà à l'époque c'était pas mal abouti, mais là ça fait plaisir tout simplement. Ah, par contre, ouais. Aïe aïe aïe, je me suis fait avoir par un machin. Obstacle. Ah voilà, il faut sauter. Alors, je suppose qu'il y a une sauvegarde automatique après après chaque niveau. Wow. D'accord. Ok. Et les motards, au revoir. Merci d'avoir participé. Wow. Ah bah voilà. Oh, il y en a partout. Ah bah les voilà, les deux Lascars. Ils sont chauds. Et ils visent bien en plus. De la vie, je vais bientôt mourir. Mais pourquoi tu me tapes comme ça, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Je croyais qu'on était amis. Tu déconnes, mec, tu déconnes. Oh, le vilain, mais c'est ma clé, je la reconnais. Rends-moi ma clé. Rendez-moi mes clés. Monde de petits salopios. Oh là 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 là, intenable, intenable à tous, hein. Et voilà, comme d'habitude. Bon, je suis presque full vie, c'est juste après que je sois mort que j'ai la pizza, hein, enfin. C'est pas mal. La santé passée, ça, hein. T'as aimé, j'espère. Ah ouais, il aime ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bah. Alors, on a peur.
Bon, ben voilà. Aïe aïe aïe! Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser mes super pouvoirs, notamment contre le boss. Faut que j'y pense. Là, ils sont en train de me faire bien mal. Allez, on va l'utiliser. Ah, j'ai eu l'impression qu'une fois la barre bleue remplie, il y avait une deuxième barre. Et c'est donc ça la nouvelle barre. C'est-à-dire que... Et il m'a semblé avoir vu que c'était une barre verte, la deuxième barre. C'est-à-dire que j'aurais droit à deux pouvoirs, deux attaques. Des attaques spéciales. Ah voilà, je suis crevé. Ok, on va essayer de... d'enchaîner les ennemis pour remplir les deux barres alors. La barre bleue et la barre verte. Et voilà, encore une fois, la pizza qui me nargue. Elle se fout de moi, se fout de moi. Ah, le boss. Voilà, je suis à la moitié de ma barre. Bravo, j'aurais dû garder... J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe nawak. Pas du tout combien il y a de stages, j'en suis déjà à la fin du troisième. Bon, je pense qu'il y en a au moins 12 quand même, parce que là, c'est un peu plus court, j'ai l'impression, que même ceux de Street of Rage. C'est un petit peu plus court. Ah, mais j'ai la barre, il se remplit même pas, alors que pourtant je tape les barres de combo. Là. Aïe aïe aïe. Ah, mais pourquoi il m'enlève la barre? Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Allez, on bourrine. Je bourrine. Et voilà, appuie la voiture. Ah, il a l'équilibre quand même. C'est un jeu en équipe, c'est... Attendez. Ah d'accord, c'est ça, trouver... Je vais devoir voir un petit peu les autres trucs, trouver joueur. Bah... Ah oui, d'accord, c'est pour... Non, c'est pour... Ouais, à tout moment, on peut jouer avec d'autres personnes de... sur Internet. Et ça trouve direct. Ah, moi je préfère vraiment pour la première fois que je fais le mode histoire, jouer tout seul, un peu comme à l'ancienne. Et une fois que j'aurai fini le jeu, en tout cas le mode histoire, là je joue en ligne. Panoramique, qu'on a déjà vu. Tanière les tortues, c'est quoi? Arrêtez la diffusion illégale de Channel 6 dans le mode histoire. Ah d'accord, c'est les succès. Terminer le mode histoire, voir toutes les fins différentes. Ah bah c'est les succès tout simplement. Journal de fitness, bibliothèque. Titre classique de l'époque, les reportages de Burn. Thank you.
Le salon. Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. D'accord, terminer le niveau sans être blessé. Objet trouvé. Ok, pour chaque épisode. Voilà, ça c'est pour chaque épisode. Ça c'est quoi? Niveau de puissance, point requis, option débloquée. Point de vie bonus. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne demi-heure. Voilà. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur le jeu. C'était vraiment pour vous montrer comme ça. Et puis pour changer un petit peu de l'aventure Layton. Parce que normalement, c'était autour de l'aventure Layton que j'allais faire. Mais bon, c'est vrai que bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a trop de lecture et pas assez d'énigmes. Donc, je comprends que ça vous plaise pas tellement. Et bon, je verrai. De toute façon, je pense que je vais continuer un peu Layton. J'en sais rien, je verrai. Bon, en tout cas, j'espère que ce jeu, cette vidéo sur ce jeu vous aura plu. Je vous dis, portez-vous bien. Merci de l'avoir regardé. Et à très bientôt. Allez, ciao!